Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 28 de notre incroyable aventure sur Red Dead Redemption 2 et on devait aller voir Dutch qui était clairement à l'autre bout de la map. Ce fut terrible, j'ai passé 10 minutes à gambader, mais quel plaisir de gambader les amis. Installez-vous, on se retrouve pour, je pense, une bonne heure ensemble. Ça serait bien que tu me lâches, ma soeur, hein, ça serait cool. Donc pas maintenant, hop, j'ai pas le temps, je suis à deux doigts de canner, tu me racontes ta vie, j'en ai rien à branler. On va voir Dutch, on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire le Dutch. Et il est possible que tout vire au drame très rapidement. Old pals of Michael's. They're getting real comfortable. We need guns for what's coming. Cleet and Joe know how to fight. It's lucky I bumped into them. What is going on, Dutch? What is happening to us? What's happening to you? You show him some respect. Excuse me? Mr. Vanderlyn! Mr. Morgan! Charles! They try to kill my people for oil! For oil! Today we ride once more. Ride with me, ride with us! Ride with us against the factory! I love your courage, son. It is a thing of great beauty. Stop! Everyone, stop! My son. My last son. Don't. When I was your age, I fought. I saw death. I have killed. The men I knew were slain. My firstborn, your brother, had his head smashed by a drunken soldier. My wife had her throat slit. I made peace. I knew not to trust, yet I had no choice. Maybe you were right. Maybe the slow death is worse than the fast one. Maybe none of these men are good. Maybe a world in which they came to us is a world that we cannot endure. But endure we must. Father, you are tired. Do not die for pride, my son. We have suffered too much in this trick. The earth, the water, they have no pride. They endure, and we must endure. My only boy, my precious boy, do not mistake my strength for weakness. As your chief, I implore you. Your words mean nothing to me, Father. Don't. Ride with me! Ah! Stop. Please, stop. Please, Mr. Morgan, after you helped me after we spoke, this is just a trap. My son, my people, will all die. You help this fellow, Arthur? Please. What of it? What else you been doing behind Dutch's back? What? The wars are over. We have lost. These young men will be annihilated. Please. I'll see what I can do. Charles. Who else will come with me? Oh, I'll ride, Arthur. Who knows what other secrets I'll learn about? Who else? I will. And me. Me too. Locke. And me. I guess. All right. Let's ride out. Bon, je vous cache pas que le Micah, j'ai envie de le déglinguer, ce gros bâtard. Et le Dutch, il commence à me casser les couilles. Ça commence à être terrible. I was trying to stop this mess from getting any worse. Maybe that didn't work. Why the hell would they attack the oil fields? What do you mean? It's perfect. This was your idea? Partly. The army, the government, the industrialists. They've taken everything from these people. Wouldn't you want to fight back? You've handed them a death sentence. Just like John, if we hadn't got him out of that prison. Hey! Show some goddamn respect! You'll know when I ain't showing respect, Bill. I had a plan. I still have a plan. What plan? What goddamn plan, Dutch? Tahiti? Timbuktu? Là, il y a clairement deux clans. Micah, Bill, Dutch.
versus moi, Sadie Adler, John, évidemment, avec moi. Deux clans dans ce clan qu'on ne pouvait normalement jamais voir séparés. Frères jusqu'au bout, mais mes couilles sur vos fronts. Because I am tired of this constant descent. Long tired of it. Now come on. Bon, on va voir un petit peu ce que ça va amener, parce que là on a vraiment toute la bande d'Or la Loi qui s'est déplacée pour l'occasion. Ça arrange Dutch, ça n'arrange évidemment, ça ne m'arrange pas moi, ça arrange pas Morgan, Arthur Morgan, parce que bah, c'est gênant, c'est chiant, il risque d'y avoir beaucoup de morts. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est et où ça va mener. Regardez là-bas, c'est dingue. Eagle flies. Hop, il est déjà mort. No, go! Please hurry, help me! Come on! Yeehaw! Vous avez vu le regard, hein, entre Arthur Morgan et John Marston, évidemment. It's a massacre. We gotta help these men. Can anyone see eagle flies? There, going across the walkway. Got what you wanted, Dutch. You coming, Arthur? I'm gonna try and save him. This fight is unwinnable. If you go and distract them and let me get to him. Have it your way. The rest of you, ride with me. Let's meet up at the factory. Let's ride! Yeah! Go with him, try and help there, I'm better off alone. We're riding with you. Come on then! Yeah! Allez, on est parti! Oh, c'est tellement stylé en vrai! Bon, on est parti, je suis avec les Indiens. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Hop, ça dégage. Hop, ça dégage. Quelqu'un veut me test peut-être? Ça aussi. Je commence à être vénère, hein. Dutch, je sens qu'il va me faire un coup de Trafalgar. Et ça risque d'être terrible. C'est parti, pied à terre. On y va. Je ne sais pas pourquoi je fais la liaison. Hop, ça dégage. Ça, hop, une petite balle. Histoire de lui dire que j'arrive. Et la deuxième arrive juste après, évidemment. Waouh! Qui a pété mon chapeau? Commander, c'est rien. Oh bah d'accord, lui il est mort comme un coton-tige, cousin. Hop, jamais sans mon chapeau. C'est parti. On y retourne. Voilà, aucun souci. Lui, je vais le régaler. Ok, déjà mort. Il s'est auto-régalé, ce petit bâtard. On avance, on continue. Voilà. Oh mais je suis un monstre. Aucun souci. Vraiment aucun souci, aucun danger. Ah, il y a un mec qui vient me canner juste devant moi. Ça, c'est un peu plus chiant pour lui. Son gameplay devait pas être ouf. Ok. On y va, on continue. On va sauver le frérot Aigle qui vole. Parce que là, Aigle, il se fait arracher, mon pote. Arthur. Get up. Thank you. All of you. We need to go. Where are my men? Where are my men? We saw some fighting by the factory. That's where Dutch is gone. Let's go, quick! Any men we see, we must save them. Ok, c'est pas terminé! Wow, ça bouge trop là, ça bouge trop là! Qu'est-ce que c'est que ce... Pourquoi ça bougeait autant là, ma vision là, mes couilles? Il va y avoir une explosion en parallèle. Ok, ça c'est fait. Ok, ça c'est fait. Il en reste un juste au-dessus. Allez, oh, ça dégage. Ça dégage, j'ai plus qu'une balle, va falloir que je reload. On va se cacher calmement derrière les tonneaux. Waouh! Oh, j'ai pris une patate. Ok. Ok. Oh, je suis un boss en vrai.
Oh, je suis un boss de ouf en vrai. Voilà. Ok, c'est ça dit. Voilà, ça dégage. Touchez pas mes amis les Indiens, bordel. Même s'ils sont un peu débiles, ils sont gentils. Ah! Ah! Ah oui! Ok, allez. Hop, headshot, hein. Voilà, un peu plus long que les autres à prendre. Ok. Pour l'instant, je suis juste en secours, en vrai. Je suis en plein milieu, frérot. Quelqu'un veut me tester ou pas? Vous voulez voir à quel point l'aide à la visée est bon sur console? C'est maintenant, hein. Hop. Après, le jeu est tellement lourd que sans l'aide à la visée, ça serait dégueulasse à jouer, vraiment. Hâte de voir ce que ça pourrait donner sur un PC si jamais ils le font. Je doute énormément. Certes, ils ont fait des GTA, mais GTA est toujours paru sur PC, alors que Red Dead a toujours été une exclue console jusqu'ici. Donc je ne pense pas qu'on le verra sur PC, malheureusement, parce qu'avec les mods, avec un FPS déverrouillé et tout, ça peut être juste vraiment incroyable. Et croyez-moi que rien qu'un jeu en 100 FPS, 140 FPS ou autre, ça change énormément la donne sur le gameplay et ça rend le jeu bien plus fluide et les mouvements bien plus, on va dire, sympas et agréables à utiliser. Voilà, c'était les gars, un petit tuto, c'est Bibi qui régale. Hop, ça dégage. Hein. Hop, désolé le cheval. Ok, pas fait mourir. Lui, il est carrément... Les gars, wesh, devant vous. Oh, le ragdoll de bâtard qu'il a eu. Dodge, il bouge pas là. Putain, c'est la merde, hein. Voilà. Ok, ils ont avancé, on va avancer aussi. Il y a mon cheval, hein. Je sais pas ce qu'il fout là, frérot. Hop, excusez-moi. Hop, excusez-nous. Hop, nous, c'est le bout, voilà. Yes! Allez, hein, c'est mon petit côté. Allez. Allez, ça dégage! 3 en 1. C'est Bibi qui régale. On est là, les Indiens. Ok, il en reste plus qu'un. Il va nous casser les couilles. Allez, ça dégage. Bon, allez voir Dutch. Mon ami Dutch, qu'est-ce qui se passe? Mais il faut que mon cheval arrête de me suivre en fait, ça devient gênant. So good of you to join us. Hello, son. Hey. Saved your life. You did. Hey, you're quite the hero, Arthur, ain't you? Just a regular good guy, same as always. What is it with you, Arthur? What is it? I don't get you. Don't get you no more. Oh, the doubting. The doubting. Come on, get him out of here. All of you. Come on. Let's go finish things. Finish what? The doubts. You know why I wanted them to attack this place? I have no idea. Javier, you get them and you go. Until I find all my men. I'm not leaving. As you wish. Rest of you, get out of here. I'm staying with you. We're getting our ticket out of here. Oh là là, encore un braco, les gars. We need to find the office. Va nous mettre dans la merde jusqu'au bout. It's upstairs, on the other side. I broke in here before to get those papers for Eagle Flight. Oui, on était déjà venu ici, souvenez-vous qu'on a envoyé le mec dans son bureau là-haut. Come on, son. What are we looking for? Money, you fool. The money. There's state bonds here. Lots of them. I thought you were paying attention. Old Cornwall had a deal with the state. He was being paid to develop the region against the federal government's wishes, as they didn't want problems with the Indians. Anyway. So we get it? We're done? We're almost free? Yes. If we're right. We've had tough times. The toughest of times. But come on. Don't doubt me no more. Ouais, mon cul, hein. Search the place. They gotta be here somewhere. Bon. Hop. Je sors les colts au cas où en akimbo. Si ça vient à partir en couille. I've been here before. Check that cupboard by the door.
Ok. Oh, la porte, elle a un petit bug. Hein. Petit bug de lumière, ça arrive. C'est parti. Très bien. Des billets, on prend. C'est pas avec ça qu'on va payer notre liberté. Fouiller le tiroir. I got him. I got him. This is it. It's safe bonds. How much? It's a few thousand dollars worth. Maybe more. Oh, we are nearly there. Arthur, we're nearly there. Mr. Morgan, let's go home. Ok. On a réussi à trouver nos obligations. C'est très bizarre, tout me semble un peu trop... peut-être facile. Ah. Ça, c'est plutôt mauvais signe. Je commence à bugger. Eh les gars, c'est pas le moment. On a les obligations, là. Hein. Quelques milliers de dollars, je sais pas combien. Sachant que j'ai quand même 4 300 $ sur moi. Ouais, j'ai toussé. Your friend? Get in there. Shoot him. Find him. Now. Come on. Bon. Maintenant, on va devoir sortir de là. Ok. Pas de soucis. Je sais pas pourquoi je tire toujours par deux. C'est terrible. Ok. J'arrive, mon pote. J'arrive, j'arrive. On ramasse des petites balles par terre, ça fait plaisir. He got one! A white one! Death? I need help! I need help! Quoi? Sale chien! Putain! C'était sûr! You silly fool! Come on! Ah, j'ai le démon! You saved my life. Ça m'énerve! More than once. To give mine for yours. It's as it should be. Come on! We need to go. You. You ran away. Oh, I did no such thing. Don't be a fool. They could be back here any minute. We did it, gentlemen. Well, we got some money. Arthur, Arthur. And with the train job? Well, we got a whole lot of money. Come on. Everything is coming together. Exactly as I planned. I've got to take the boy to his father. As you wish. Usually is nowadays. Sure. Come on! We gotta get back to camp and prepare! Arthur, te laisse pas voir! Ah, ça m'énerve, ça me démange! I'll stay with you. And me, of course. And so will I. No, get out of here. Please. This ain't gonna be nothing nice. Be safe, Arthur. Ok. Bon, je ramène le petit à son daron. Je commence déjà, tu vois, j'ai déjà la boule au ventre parce que ça me vénère, tu vois ce que je veux dire? Our men. We must go back for the bodies. We will. Save your strength. My friend, I'm sorry. About this. About all of this. You have nothing to be sorry for. You know, Dutch? Dutch is... I guess my thinking is he used you. He wasn't trying to help anyone but himself and his own crazy principles. We're grown men. Nobody made us do anything. Maybe I'm talking for my people as much as for yours. We saw he turned crazy and we couldn't believe it and we followed him anyway. Things should never have gone this far. You seen the situation on the reservation? Better to die fighting than sick and weak. Maybe, but you... Your people deserve better. You okay, Charles? Not really. All this death, and for what?
Just so we can have enough money to be able to run away from what we've done? There used to be some reason to lines that couldn't be crossed. We even helped some folk. Those lines have been gone for some time now. The time has come for us to draw our own lines, Arthur. Decide where we go from here. I swear, back there, Dutch just stood and watched. If it wasn't for Eagle Flies, I'd be... I know. I feel like he's descended into the kind of man he told us never to be. Maybe. He's just become more who he really is. I don't know anymore. I just feel like a fool. That money, those bonds, whatever it is, I don't want a cent. There's too much blood on it. Let's just get this boy to his father. Your friend here, my friend, he's a brave man. Fearless. Always has been. This won't be in vain. We will try to round up more men from the north, wherever we can. Many are ready to fight. Nous sommes donc arrivés. Et ça y est, enfin, il voit Dutch, cette petite chienne qui nous a abandonnés. Arthur Morgan ouvre enfin les yeux. Espérons pas trop tard, même si ceux qui ont fait le premier opus connaissent la suite. Bring him to me. My son. What are they gonna do now? They must move. And fast. I'll stay and help them. Yeah, I'll stay too. No, my friend. You have others who need you. Good people. I'm sorry, but we must pack and move. Et je suppose qu'on est reparti. On devrait retourner voir Dutch. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh non! Pas comme ça, Arthur! Pas en plein milieu de la nature comme une de mer! Allez, que quelqu'un passe par là. Allez! Sie haben uns gerettet, als wir wirklich Hilfe brauchten.
Ah, c'est les gens qu'on a sauvés. Les Allemands, là. Yes. Mais si je l'avais... Bah non, on est obligé de les sauver. Je crois. Vous voyez, quand on sème le bien, on récolte le bien. Bon, m'acheter dans la rue comme une de mer, mais... c'est une autre histoire. Ok, tout va bien, les gars. Hop, j'étais parti pisser. Et voilà, les gars, on est en forme. Ça va ou quoi? Lorsque vous travaillez pour la bande, la moitié de vos gains sont mis de côté dans les économies de la bande. L'autre moitié est divisée entre les différents membres ayant participé à la mission. Mais pourquoi me dis-tu ça? Je m'en fous. Ok, c'est pas ma préoccupation première, je vous avoue. On va voir un petit peu. On va voir un petit peu, parce qu'il faut aller voir Dutch. Et Dutch est juste à côté, il est pas très loin. On est toujours en terrain où on est recherché mort ou vif, et ça c'est assez terrible. Donc c'est parti, mode cinématique. On se retrouve directement devant Dutch. J'ai vécu un très 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 mauvais moment. Je sens que cet épisode risque d'être horrible. A tout de suite. Allez, nous revoici au camp. On va reparler à Dutch. Et là ça risque d'être compliqué ce qui va arriver. Parce que bah il m'a abandonné, j'ai failli mourir. Et ça, Arthur, il l'a bien dans un coin de la tête. Donc on va voir un petit peu où ça va mener tout ça, sachant que Micah c'est une belle petite chienne aussi. Allez, on y va. Well, at least you ain't run off. What you talking about? Pearson left. Old uncle. The traitors. Both gone at dawn. They said to young Tilly they were running to save themselves. I think Mary Beth left as well. So it goes. They are goddamn cowards, Arthur. Cowards. Of all the time we spent to run off. Well, I guess they don't want to die, Dutch. Ain't nobody gonna. This is a tough time. And you ain't doing too well. But we, our community, we will survive. They will not. Crush us. I hope so. But if we let Jack and the women free, well then there maybe ain't we no can freedom for no one in this country no more, Arthur. One more big score, we got enough money to leave. All this turmoil has the army and Pinkerton spinning. We take a boat and slip away. I don't know what you're saying, Dutch, but it seems like I've heard it all before. Just one more. That's always a goddamn train. Arthur, this is different. We know this is full of cash. Army payroll, money and supplies to repair the bridge that you blew. This is all going to plan. We rob Uncle Sam and we leave. The poetry of it all. What do you think? It sounds wonderful. Hell, yeah. I ain't got much to lose, but you know, the women and the children and John and his family. I'm afraid I have to insist. I mean, we gotta let him go, because if the Pinkertons come through again, they will kill everyone. John? Insist? Yeah. Insist. Of course, pal. Whatever you think is best, I will. See to it, huh? Now, are we gonna rob a train? Sure. Oh, je suis un putain de zombie, sa mère. We will survive. Bah, finalement, on est revenu à Raccoon City plus tôt que prévu. We will flourish. We have work to do, my friends. Let's go. Come on. We are gonna borrow a little money from old Uncle Sam and be out of his hair once and for all. He insists. Let's ride out, gentlemen. Let's go. Yeah. On est donc
parti pour le soi-disant dernier braquage à faire. We're robbing a train in the middle of a city? No. It's going to stop there, take on mail and water, let off some boys heading home on leave, and then it heads out. They know the bridge is gone, Black Lung. There'll be a patrol past Annisburg, waiting down by the river to collect the money. We sneak on quietly, and then we got a short time to stop the train before it reaches the patrol. John, you go get that dynamite. We'll meet back up outside of Saint Denis. I'll go with him. As you wish. Come on. Okay. Je vais avec Marston le bro. After we blew the bridge. This is one big goddamn group of us to be riding back into Saint Denis. Yeah. I heard the Pinkertons have pretty much taken over Van Horn. Moved a whole heap of men in there. Things are closing in fast. Shit. Should be just through these trees. There it is. Okay. I'll get the dynamite. No, I can do it. You sure? I'm fine. Okay. It's in the back. Trouver la dynamite. Ok, très bien. On va aller la prendre. Bah, y a pas de secret. La dynamite, elle est totalement derrière. Moi. Voilà, aucun souci. Une belle caisse qu'on a là. C'est juste pour une porte. Voilà. Trois bâtons, ça devrait suffire. Got it. All right. Let's get this done. So listen. Abigail just told me the money. It's hidden in the caves at Beaver Hollow. What? Yeah. So much for never hiding it near camp. Dutch was getting even sloppier than we thought. Are Abigail and Jack ready to leave? I think so. Okay. Whatever happens with this job today, wherever Dutch and them go next, we're getting you the hell out of here. We're going to get you the money you need. Knowing the three of you got out, well, maybe all of this will still mean something. Turn that side. Tilly and Susan, too. I'll do whatever it takes. You've always had my back, Arthur. Perhaps not always. Anyway, here we go. One last train, Arthur. One last train. Allez, mon John. Just like we planned. Is that okay with you, John? Arthur? Or do you insist on something different? Sounds about as good now as every time I heard it before. Oh, Abigail must be real excited. All packed up like she is. I could just see her in a little grass skirt. Don't talk to me, you son of a bitch. Boys, boys, okay now, let's keep it down. We don't want to draw attention to ourselves going through here. Nice and easy through town, fellas. Saint Denis. It's good to be back. Happy memories, huh, John? Will you shut up, Macca? That's enough. Quiet. All of you. Not much further now. Donc on va braquer un train en pleine ville. Là, ça risque d'être un putain de carnage, les gars. Une histoire a laissé sa peau, cette connerie. On risque de perdre encore des membres du groupe.
Ça risque d'être dingue. Donc on n'est pas si recherché que ça finalement, hein. On passe quand même devant les flics, ils ont rien à branler, hein. Ok. Normalement c'est par là. On y est bientôt. Faudrait que j'achète de l'huile pour mes armes aussi. All right. Cleet, Sadie, you board halfway along. John, you and Arthur are gonna board at the back. Rest of you, follow Mike and I, and join once they stop the train. Here she comes. Should I just sneak on now? God damn it. Well, everybody mount up! We're still going through with this? Of course we are! Ah! Bon bah on va essayer de monter en pleine bourre, si je puis me permettre cette expression. De toute façon je devais aller à l'arrière, ça tombe très très bien. Allez. C'est bon, j'arrive les gars. Oh non, mon cheval il est épuisé, mon valcheux. Tiens gros, hop. On l'emmènera pas en enfer, de toute façon, ce putain de riz. Galette de riz de mort. Allez. Attendez, j'ai un petit peu de retard. Il avait besoin de graille. Ça devrait le faire. Ok, sautez sur le train. Ok, Akimbo. On y est. Pas de soucis. Voilà, ça dégage. Bon, c'est un train, les gars, c'est une ligne droite, hein, normalement. Y'a trop de soucis. Wesh! Mais on me dit qu'il est touchable! Putain de merde. Ok. J'ai pris un putain de headshot juste avant, ce con. Ok. Vas-y, mon John, hein. Vas-y, mon John, hein. Ok. Vous avez vu le petit détail? Regardez si je tire dans le métal. Je crois que c'est un petit peu orange, genre la balle, elle a chauffé le métal. Tu vois ce que je dis ou pas? Ok. C'est le bordel, hein. Oh putain, c'est le bordel, hein. Je sais pas si en FPS ce serait mieux, mais... Non, mais c'est une blague! Ok. On y va. Désolé, mon jeune. Mais je dois t'arracher, mon pote! Hop, ça dégage de l'autre côté. Ah non, 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 non. Attends, on va le pousser un peu. Attends, hop. Allez, salut! Ok. On y va, toujours aucun souci. Ok. C'est bon. Oh bah lui il a pris un triple headshot, je suis désolé mon frérot. Bon normalement c'est bon, il n'y a plus personne puisque mes potes ils ont réussi à ruiner ceux d'avant. Ah non mais il est totalement tout le monde. Une sorte de douce, c'est impossible. On est dans un train en marche les gars. Ok. On va tout reload. Ok. Let's go! Hop, ça dégage, il m'a saoulé. J'ai utilisé le sang-froid juste pour lui. Non mais. Allez, oh, les gars, j'ai pas que ça à foutre, putain, ta race! Voilà, montre-toi un peu! 4 heures, tire dans ta gueule à toi! Toi, ça fait 4 ans aussi. Ok. Hey. C'est pas vrai, hein. Obligé d'y aller, hein. Je sais pas combien ils sont, mec. Ok, le train est en feu, très bien, et alors? Ok,
can't get through the smoke! Come on, let's go! Come on! Ok. Oh, je vais avec... Ok, très bien, on va avec Dutch. Get going, Bill! On saute de l'autre côté. Ce train est éternel. On y va. Putain, le cheval, il prend sa part. Oh là là, on va se régaler. Ah là, ça c'est une âme qui me parle, mon pote. Ça. Alors, et la racaille, ça dégage. Bon, même s'ils sont cool, la racaille, c'est moi. Putain, le cheval est résistant. La vache. Il résiste à des obus, frérot. Ok. Ah, derrière. Ah. Ok. Vache. Putain, les gars, eh, c'est une mitrailleuse lourde, hein, les potes. Tout le monde s'en bat les couilles, mais Ah, voilà. Ok. Hop, la racaille, ça dégage. Ah, je suis obligé d'arracher les chevaux, là, parce que j'ai l'impression qu'ils prennent pas de dégâts, regardez. Mais... Oh, la vache. Embouteillage, hein. Ok. Oui, bah attends. Je vais pas tirer dans le vide s'il y a personne. Oh, ce découpage. Ok. Ok. Par contre, la vue magnifique. Maintenant, ça. Pas trop de temps, mais maintenant. Ok, on y va. Stopper ce fucking train. Hey, quick! Let's blow up. Let's go! The money's in their carriage! Prenez la dynamite. Blow this thing. Attends, frérot. I have a little. NON! Putain de. Aïe aïe aïe! Ah, ça me vénère! C'est débile! À quel moment ton personnage il va sauter à. C'est complètement débile! Vraiment! Putain, accroche-toi naturellement en haut, c'est pas... C'est ça. C'est ça, le manque de fluidité. Bien sûr que j'ai pas envie de sauter dans le vide. C'est con, les gars. Ok. Get off the gun. Okay. We need to go for the money. On évite de la refaire. Come on. The money should be y a pas de précision, en fait, dans les sauts. On va prendre la dynamite. Mais casse-toi, putain. Et en plus, tu te fais pousser, mais... Oh, regardez. Mais regardez, m'a poussé. Cette chienne, là, putain. On va pas y arriver! C'est une phase, y a pas de danger, y a rien, y a rien à faire. Y a rien à faire, et t'es pas capable de le faire tranquillement. C'est un délire! Elle m'a poussé, j'ai rien pu. Putain, c'est pas vrai, j'ai jamais pu ça. Attends, voilà, faut bien que tout le monde ait fini. Mais c'est pas vrai. Non, la vie de ma mère, on va croire que je fais exprès, les gars, arrêtez, putain! Là par exemple j'ai juste fait carré, j'ai été poussé sur le déco, bon enfin pour parler. Ça risque d'énerver bien plus d'une personne. Okay. Voilà, bon bah là les gars j'ai pris. Let's go, the money's in their carriage. Bon, voilà, on a la dynamite. Putain. Here we go. Ok, ça suit la logique dans laquelle j'étais. Très bien. Allez, ah putain.
C'est bon, il y a qu'un sac. We got something. Catch. Yeah. Wait. There's more. Morgan, the driver's dead. This thing ain't stopping. We got to get off. Okay then, let's go. Allez, salut mon pote. Well, let's move. Where's John? I tried. He didn't make it. That patrol killed him. We had to run. Come on, let's go. Before another patrol turns up. Ha! Ha! Sorry to hear that. We gotta let her go. John's, well, sorry, son. Without John, she's just bait. We got a bunch of money, Dutch. She's just a girl. They won't do nothing to her. But me and the boys know. Yep. We need to keep riding on this one, Dutch. You know it. Every man here knows so we it. We just gonna let the boy be made an orphan? It ain't like that. What is it like? I wanna live, cowpoke. I still got the choice, Dutch. It's just a girl. You're right. Dutch, Micah. It pains me to say it, Arthur. But he is right. Dutch! Come on, boys. Yeah! Well, I guess that's that then. All them goddamn years. Come on, Arthur. Let's go get her. You and me is all we need. Miss Tilly. Here, take this. You take this money, too. Take Jack, and you wait at Copperhead Landing for Abigail and Mrs. Adler. Thank you, Arthur. You're a good girl. You live a good life now, you hear? All right, Arthur. I'll miss... Me too, sweetheart. Me too. Jack, come here. Be brave, son. I'm gonna go get your mama. Mrs. Adler, ride with me. Aïe, 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 aïe. Casse les couilles. They'll probably dock at the north end of town. Ok, on y va les gars. On va la sauver. Sure.